أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc nous poursuivons بإذن الله وبعون الله عز وجل l'explication du livre أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه. On s'est arrêté à la question numéro 208, sachant que nous avons débuté à travers les questions-réponses du Cheikh un chapitre qui concerne donc notre devoir que nous devons avoir envers les Sahaba, et notre croyance que nous devons avoir envers les Sahaba, envers les compagnons. Et comme on l'a précisé la dernière fois, tous les savants qui ont écrit fil aqida, qui ont écrit dans la croyance de façon générale, c'est-à-dire en résumant les chapitres de la croyance, en développant les chapitres de la croyance, mais en voulant par là englober tout ce qui rentre dans la croyance, ils ont bien entendu à chaque fois consacré un chapitre par rapport aux compagnons, par rapport aux sahaba. La dernière fois, on a vu qui étaient les compagnons. On a vu également leur place dans la religion et comment Allah Azzawajal les a élevés par rapport à tous les versets qu'on a cités. Et également les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on a vu qui étaient les meilleurs des compagnons de façon générale, c'est-à-dire les meilleurs groupes. Ensuite, le shir va nous dire man afdal sahaba tafsilan. Donc, quels sont les meilleurs des sahaba, donc de manière précise, donc en citant compagnon par compagnon, comme cela est un consensus auprès des gens de la sunna du consensus. Avant cela, on avait dit le dernier cours qu'on avait déjà rappelé quel était ta'rif al-sahabi, quelle était en réalité la définition d'un sahabi, comment on connaissait un sahabi, on l'avait déjà cité, mais en réalité je vois qu'il est important que l'on récite une deuxième fois dans ces cours donc qui sont propres aux sahaba et qui sont en relation donc à notre croyance, la croyance des gens de la sunna du consensus. Dans ce chapitre consacré aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vois qu'il est important donc de rappeler quelle est réellement et quelle est la définition d'un sahaba, comment on va en réalité différencier une personne qui va être considérée comme un compagnon de celui qui ne l'est pas. Tayyib, dans un premier temps, de façon générale, on va rappeler cette parole de l'imam Ibn Abi Hatim, qui est mort en l'an 327, un des grands imams parmi les salafs, et qui nous rappelle dans son livre Al-Jahh wa Ta'dil, يقول فأما أصحاب رسول الله فأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل وعرفوا التفسير والتأويل. Donc les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui ont témoigné et qui ont donc assisté à la descente de la révélation, al-wahy wa tanzil wa arafu at-tafsir wa at-ta'wil, et ils ont donc eu connaissance de l'interprétation du Coran, c'est-à-dire donc des versets du Coran, de ce wahy, de cette révélation. Et ils ont également eu, ils ont connu l'interprétation des dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa hum alladhina akhtarahum Allah azza wa jalla li suhbati nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa nusratihi wa iqamati dinihi wa idhari haqqi. Ce sont ceux dont Allah azza wa jalla les a choisis, subhanahu wa ta'ala, pour accompagner son prophète et pour lui rendre secours, et pour qu'ils accomplissent, et pour qu'ils élèvent donc cette religion, et qu'ils fassent apparaître la vérité. فَرَضِيَهُمْ لَهُ sahaba, c'est-à-dire qu'il les a agréés pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en étant donc, ou pour être ses compagnons. وَجَعَلَهُمْ لَنَا أَعْلَامًا وَقُدْوَةً, et Allah Azza wa Jalla les a placés pour nous, pour ceux donc qui sont venus après, jusqu'à nos jours. Il les a placés, Allah subhanahu wa ta'ala, comme étant des jalons, comme étant des repères, a'laman wa qudwatan, et comme étant donc des modèles pour nous que l'on doit suivre et dont on doit appliquer leur compréhension. C'est pour ça qu'on dit toujours al-kitab wa sunnah ala fam salaf, et salaf, ceux qui sont à la tête des salaf, sont bien entendu as-sahaba, ce sont les premiers donc de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux. Fa hafidhu anhu sallallahu alayhi wa sallam ma balaghahum anillahi azza wa jalla wa ma sanna wa shara' wa wa'uhu wa atqanuhu فَفَقِهُ فِي الدِّينِ وَعَلِمُوا أَمْرَ اللَّهِ وَنَهْيَهُ وَمُرَادَهُ. Donc il nous dit ensuite l'imam Ibn Abi Hatim qu'ils ont donc appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce que lui sallallahu alayhi wa sallam a transmis, donc leur a transmis, comme donc les sunan, tout ce qui va rentrer dans les sunan, tout ce qui va rentrer dans le char,
tout ce qui va entrer dans la législation de façon générale. Ils ont donc appris cela. Et ils l'ont perfectionné. Ils l'ont maîtrisé totalement. Ils ont donc eu une compréhension totale et complète et parfaite de la religion. Et ils ont su donc l'ordre d'Allah. Qu'est-ce que l'ordre d'Allah ? Ils ont su également ce qu'est l'interdiction d'Allah. Donc les ordres et les interdictions d'Allah Azzawajal. Et ils ont su quelle était la signification qu'a voulu Allah Azzawajal, le sens qu'Allah Azzawajal a voulu à travers donc les versets du Coran, à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a légiféré à travers donc son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ce sont les sahaba. De façon plus précise, pour savoir réellement qui est un sahabi, on va revenir tout simplement à une définition qui va être donnée par les savants de l'islam, et parmi eux Ibn Hajar, Al-Hafir, Abu al-Fadl, Ahmed ibn Ali, rahimahullah ta'ala, qui est mort en l'an 852, et qui est donc sahib Ibn Fath al-Bari, qui est donc l'explication de Sahih al-Bukhari. Il nous dit « وَأَصَحُ مَا وَقَفْتُ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكِ » c'est-à-dire le plus authentique de ce que j'ai pu donc trouver parmi donc les définitions qui vont donc nous définir et nous décrire ce qu'est réellement un sahabi. Anna sahabi, donc le sahabi c'est qui? On va le dire en arabe, ces quelques termes, et ensuite on va les traduire et les expliquer. Yaqul, man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala l'islam. Man laqiya an-nabiya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi wa mata ala l'islam. Ici en réalité on a six caractères, ou six termes. Ici on a six termes qui vont être très importants pour pouvoir définir qu'est-ce qu'est un sahabi. Il nous dit dans un premier temps « men ». Donc « men », il va rentrer dedans « al-uqala ». Tous ceux donc qui sont doués d'intelligence. « Men ». Parmi donc « al-ins » ou « al-jin »« rijal » ou « anissa ». Donc il va rentrer dans ce terme « men » que l'on traduit par « qui ». Il va rentrer dedans tous ceux donc qui sont doués d'intelligence. Parmi donc les hommes et parmi également les djinns, qu'ils soient des hommes ou qu'ils soient donc des femmes. Men, tout cela va rentrer donc dans men. Et on dit également n'am, el djinn. On dit également el djinn. Il se peut donc qu'il y ait un djinn qui soit considéré comme un sahabi. Même s'il n'y a pas réellement de faïda, il n'y a même pas vraiment d'intérêt de connaître cela. Car on ne peut prendre de quelqu'un dont on ne peut connaître réellement l'identité. À la kulli hal, les savants ont dit que malgré tout, cela rentrait dedans. Men, dans ce terme donc men. Men. Laqiya donc qui est du terme al-luqya ou al-liqa et qui est le fait de rencontrer, c'est la rencontre al-luqya al-mutlaqa, le fait de rencontrer qui al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est bien sûr ici le troisième terme. Donc ce deuxième terme laqiya, man laqiya al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, laqiya, on choisit donc ce terme qui est précis et qui est en réalité encore plus précis que le terme ra'a. On aurait pu dire man ra'a an-nabi sallallahu alayhi, celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi. Mais le fait de dire man laqiya an-nabi sallallahu alayhi, c'est encore plus précis. Pourquoi? Pour deux choses. Dans un premier temps, par rapport à la personne qui est considérée comme aveugle. La personne qui est aveugle et qui va rencontrer le prophète sallallahu alayhi, elle fait partie des compagnons, même si elle ne l'a pas vu de par ses yeux, car cette personne-là est aveugle. Donc on voit ici que al-luqya, donc par le terme ici qui est le verbe man laqiya, c'est plus précis que man ra'a. Également, la deuxième chose par laquelle on va prouver que ce terme est plus précis, c'est qu'il se peut que l'on voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nos rêves, dans nos songes. Et c'est ce qu'on appelle ici ar-ru'yatu al-manamiyya, ar-ru'yatu al-manamiyya, c'est-à-dire le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe. Est-ce que la personne qui va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le songe, ça va faire de lui un sahabi, ça va faire de lui un compagnon là? Donc c'est pour ça que également ici ce terme ra'a peut donc être interprété de cette façon. Il peut rentrer donc dedans ra'a donc bil'ayn ou bil-manam, c'est-à-dire le fait de voir de par ses yeux, ou le fait de voir de par son cœur, c'est-à-dire le fait de voir durant le songe. Donc on voit ici que le terme laqiya qui est donc al-luqya ou al-liqa, on voit que c'est plus précis. C'est donc le fait de rencontrer le prophète sallam, que l'on soit aveugle mais que l'on le rencontre réellement. Man laqiya an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mu'minan, qu'il soit donc un croyant. Et lorsqu'on dit ici croyant, ça ne veut pas dire mu'minan, c'est-à-dire un croyant qui serait donc parmi les gens du livre. Bel mu'minan bihi, c'est-à-dire
ici dans ce cinquième terme, bihi, c'est-à-dire qui croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mu'minan bihi, celui qui va croire à qui? Qui va croire au prophète. On va faire sortir donc de cela tous ceux qui seraient considérés comme des croyants mais qui ne croiraient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc mu'minan bihi, qui croit en lui, donc qui aurait cru, des gens qui auraient cru donc au livre précédent, qui avant même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit légiféré ou soit chargé de sa mission, seraient considérés comme des mu'mines parmi les gens du livre, etc. Donc c'est pour ça qu'on précise bien ici mu'minan bihi, c'est-à-dire croyant en lui. Donc on répète maintenant qu'il nabiya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui. Et lorsqu'on dit un nabi, ce terme ici également il a une importance, c'est-à-dire le troisième terme un nabi. Pourquoi? Parce qu'il se peut que une personne, elle ait rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed ibn Abdillah, avant même qu'il soit chargé de sa mission, et qu'il fasse partie des gens qui sont considérés comme les croyants, comme on l'a dit, mu'minan, c'est-à-dire parmi les croyants des gens du livre, et même que cette personne-là croit en que Mohammed va devenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'après le khabar qu'il va lui donner. Ici, on va faire allusion à qui? Bien entendu, on va faire allusion à Waraqatu ibn Nufayl. Lorsque Khadija, lorsqu'elle a su ce qui arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers signes de la prophétie, elle est venue donc accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de Waraqatu ibn Nufayl. Et lorsqu'il a su ça, Waraqa, qui faisait partie bien entendu des gens qui avaient de la science parmi les gens du livre, et qui a su ce qu'il allait arriver pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a su donc que réellement ça allait devenir un prophète. Mais il a cru. Et il a cru en lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas démenti ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a même informé de ce qui allait donc arriver, de par sa science, par rapport aux écrits précédents. Mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été investi de sa mission et n'a pas été considéré comme prophète. Donc on voit ici que Waraqatu ibn Nufayl ne fait pas partie des sahaba. C'est-à-dire qu'il ne fait pas partie des sahaba, pourquoi? Parce qu'il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a cru en lui, c'est-à-dire en ce qu'il allait devenir, mais à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas encore considéré comme nabi, il n'était pas encore investi et chargé donc de sa mission et donc comme étant un prophète. Donc c'est pour ça que l'on dit bien man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas dit man laqiya Muhammad ibn Abdillah par son nom, mais on dit bien man laqiya an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bihi, celui donc qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout en croyant en lui. Ensuite, wa mata ala l'islam, na'am, et qui est mort donc en étant musulman, c'est-à-dire bien entendu suivant l'islam, wa mata ala l'islam. Ça également c'est important, pourquoi? Parce qu'il se peut qu'une personne elle a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle a cru en lui, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'ensuite elle s'est détournée de la religion, irtadda, et qu'elle, cette personne-là meurt en étant non musulman, comme cela est arrivé avec Ubaydallah ibn Jahsh ou Abdallah ibn Khattal, comme ceux qui ont fait l'exil au Habasha et qui sont ensuite convertis au christianisme, qui sont donc morts non musulmans. Ces gens-là, malgré qu'ils ont rencontré le prophète, qu'ils ont cru au prophète, ces gens-là, ils sont morts donc comme des mécréants. Ils ne sont pas morts à l'islam. Lam yamoutou à l'islam. Taïb. Donc c'est pour ça que c'est également très important que l'on cite cela, c'est-à-dire que la personne elle doit mourir. Celui qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam en croyant en lui, il doit donc mourir à l'islam. Une question ici qui va donc se poser, c'est si la personne elle se convertit à l'islam, puis ensuite elle se détourne de la religion, mais qu'ensuite elle revient à la religion, c'est-à-dire qu'elle se reconvertit une nouvelle fois. Est-ce que cette personne est considérée comme un sahabi? Ibn Hajar nous rappelle que la parole la plus forte est qu'elle est considérée comme un sahabi. فلو ارتد ثم عاد الى الاسلام لكن لم يروا ثانيا بعد عودته او بعد عوده فالصحيح انه معدود في الصحابه. C'est-à-dire une personne qui a été considérée comme un sahaba, qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était croyant en lui, ensuite qui s'est détourné de la religion, ensuite qui est revenu à la religion, c'est-à-dire qui se reconvertit mais qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois. Il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam une deuxième fois. Taïb, et qu'il est mort donc sur l'islam, cette personne-là à la sahih, elle va être considérée comme un compagnon. Et pourquoi cela? Parce que les muhaddithoun, c'est-à-dire les gens de la science du hadith, ils ont considéré une personne qui exactement eut ce cas, qui était donc un sahaba, qui ensuite s'est détourné de la religion, qui ensuite s'est reconverti, mais qui n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont considéré comme étant un sahabi, et qui est tout simplement Al-Ash'athu ibn Qais. Al-Ash'athu
Ibn Qais, et donc les sahaba qui l'ont considéré dans leur livre, ou Arfouan al-Muhaddithoun qui l'ont considéré dans leur livre comme étant un sahabi. Donc ça c'est pour ta'rif al-sahabi, ça c'est donc pour connaître quel est le sahabi, la définition d'un sahabi. Man naqiya an-nabi mu'minan bihi wa mata 'ala al-islam, celui qui a rencontré le prophète tout en croyant en lui et qui est mort en étant musulman. Mata 'ala al-islam, il est mort donc en étant musulman. Ensuite, on va revenir donc au livre de Cheikh Hafid rahimahullah ta'ala, et on va voir qui va nous dire donc à la question numéro 208. Yaqul man afdalu sahabati tafsilan, qui sont les meilleurs des compagnons, ici en détail donc, c'est-à-dire de manière précise. Donc il va nous rappeler ici Cheikh Hafid rahimahullah ta'ala quels sont les meilleurs des compagnons un par un de par leur nom, comme cela est le consensus des gens de la sunna. Il va nous dire rahmatullah alayh en nous citant directement un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son authentique. Yaqul qala Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma, donc c'est une parole de Umar, ou c'est une parole arfan de Abdullah ibn Umar. Donc ici nas, ça va être donc un texte qui va être bien précis et qui va nous informer Abdullah ibn Umar quel était donc l'état des sahaba par rapport donc à certains des compagnons. Quel était donc leur avis par rapport à certains des compagnons? Et il nous dit kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam, kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire nous étions à l'époque du prophète, au moment donc où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore vivant. Kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan, kunna fi zamanin nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan, c'est-à-dire donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ne désignions personne comme équivalent à Abu Bakr, c'est-à-dire qu'on considérait qu'Abu Bakr c'était le meilleur. Quel est le nom d'Abu Bakr? Quel est son nom? Ça c'est son kunya, Abu Bakr, c'est son kunya ça, Abu Bakr. Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa At-Taymi. At-Taymi, bien entendu Abu Quhafa qui est Ibn Uthman, qui est Uthman, qui est lui-même en réalité Uthman. Donc c'est pour ça qu'on dit Abdullah ibn Uthman. Ou Uthman qui est Abu Quhafa, qui est Abu Quhafa. Abu Bakr Abdullah ibn Abi Quhafa ou Abu Bakr Abdullah ibn Uthman At-Taymi. Donc ici on a une preuve qui est claire et qui est la parole de Abdullah ibn Umar, que tous les sahaba du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne mettaient pas quelqu'un supérieur à Abu Bakr ou équivalent à Abu Bakr. Donc c'était lui qui était considéré comme le meilleur des sahaba. Et bien entendu il a été nommé comme As-Siddiq par cet adjectif As-Siddiq qui est le très véridique. Il nous rappelle l'imam al-Albani rahmatullah alayh fi silsilat al-ahadith as-sahiha au premier tome du hadith numéro 306, yaqul tasmiyatu Abu Bakr bis-Siddiq, c'est-à-dire l'appellation de Abu Bakr comme étant as-Siddiq. Yaqul, il nous rappelle donc ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Hakim et d'autres encore, et qui est rapporté également par al-Bayhaqi, et qui est un hadith authentique. Ce hadith là est le suivant: lamma usriya an-nabi sallam ila al-masjid al-aqsa, et donc à l'Isra, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était donc à la Mecque et qui était transporté jusqu'à Masjid al-Aqsa, ça c'est l'Isra. Lamma usriya an-nabi ou bin nabi sallallahu alayhi wa sallam ila al-masjid al-aqsa, donc à la mosquée al-Aqsa. Asbaha yatahaddathu an-nas bidhalik, c'est-à-dire lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il aura donc informé de cela, les gens ils ont commencé à parler par rapport à cette nouvelle qui venait d'arriver. فَرْتَدَّ النَّاسُ مِمَّنْ كَانُوا آمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ, il y a donc une partie des gens qui se sont détournés de l'islam, qui se sont détournés de l'islam après avoir cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après donc avoir cru en ce qu'il disait. وَسَعَوْا بِذَلِكِ إِلَى أَبِي بَكَرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ, et donc ils ont été voir Abu Bakr, ils l'ont donc informé de ce que disait, de ce qu'informait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالُوا هَلَّكَ إِلَى صَاحِبِكَ يَزْعُمُ أَنَّهُ أُسْرِيَ بِهِ اللَّيْلَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ, c'est-à-dire qu'ils lui ont dit, ne vois-tu pas donc que ton compagnon, ton ami, il prétend donc qu'il était transporté
durant la nuit, de la place où il était jusqu'à il a Bayt al-Maqdis, donc jusqu'à là, la demeure sanctifiée, il Masjid al-Aqsa. قال أو قال ذلك donc il leur a demandé, il a dit cela, le prophète sallam قالوا نعم, ils ont répondu donc par l'affirmatif. قال لئن كان قال ذلك لقد صدق, s'il a dit donc cela, hein, s'il a dit cela le prophète sallam, il a dit vrai. قالوا أو تصدق أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح, c'est-à-dire est-ce que tu vas croire, est-ce que tu vas croire et rendre vraie cette information qu'il est donc parti en une seule nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis et qu'ensuite il est revenu au petit matin. قال نعم, il a dit Abu Bakr نعم إني لا أصدق فيما وأبعد من ذلك. Et regardez donc la sincérité de Abu Bakr al-Siddiq et son niveau de religion et également son intelligence et également sa raison. Pourquoi? Parce qu'il dit إني لا أصدق فيما وأبعد من ذلك, c'est-à-dire je crois ce qu'il dit alors que ce qu'il va dire est encore plus important, est encore plus loin de ce qui s'est passé cette nuit-là et de ce que lui il affirme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire donc que je vais le croire en une chose qui est encore plus lointaine que cela, par rapport donc à ce qu'on pourrait nous avoir comme compréhension. Il dit usaddiqu bi khabari as-sama'i fi ghadwatin aw rawhatin, falidhalika sumiya Abu Bakr as-Siddiq. Donc c'est à ce moment qu'il était donc appelé as-Siddiq. C'est-à-dire qu'il va dire à Abu Bakr que je crois en ce qu'il dit, bi khabari sama, il nous informe donc qu'il a des informations qui viennent du ciel, que ce soit durant la journée, que ce soit en soirée, que ce soit le matin, que ce soit la nuit, il a des informations qui viennent du ciel, directement du ciel. Et bien moi je crois en ce qu'il dit, et bien moi je crois en ce qu'il dit. Et cela bien entendu c'est encore abadou, c'est encore plus loin de ce qu'il a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est encore plus important de ce qu'il a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est parti donc en une nuit jusqu'à Bayt al-Maqdis. Et n'am. Donc c'est à ce moment-là que Abu Bakr il a été nommé As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Donc pour revenir au hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, kunna fi zamani Nabi sallam la na'dilu bi Abi Bakr ahadan thumma Umar. Ensuite donc il vient Omar, thumma Uthman. Donc ensuite Omar et ensuite Uthman. Donc on voit ici qu'il y a un ordre qui vient et qui est dans un premier temps Abu Bakr, ensuite Omar et ensuite Uthman. Thumma natruku ashab an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la nufadilu baynahum. C'est-à-dire ensuite, après donc Uthman, nous laissions les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans les préférer les uns aux autres. Après bien entendu Uthman. Donc ça c'est une preuve pour ce qui est donc des trois premiers compagnons. Pour ce qui est de Abu Bakr, pour ce qui est de Omar et pour ce qui est de Uthman. Donc kunna, Abdullah ibn Omar il parle donc au nom de tous les sahaba. Kunna fi zaman an-nabi sallam. Et donc à l'époque du prophète sallam. Donc le prophète sallam avait connaissance de cela. Parce que c'était du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va nous rappeler pour ce qui est de Abu Bakr certaines preuves de sa supériorité par rapport aux autres compagnons. Il va donc nous rapporter des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous dire le shirk, وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار. Bien entendu, lorsque le prophète صلى الله عليه وسلم et Abu Bakr ont fait la hijra, ont fait donc l'exil de Mecca à Médine. Et on sait que le prophète صلى الله عليه وسلم l'exil il l'a fait en compagnie de Abu Bakr. Ils étaient donc tous les deux lorsqu'ils ont fait al hijra, lorsqu'ils ont fait donc l'exode de la Mecque à Médine. Et on sait tous que lorsque les mushrikoun sont partis donc, les polythéistes sont partis à leur recherche pour les ramener ou pour les tuer, on sait qu'ils se sont réfugiés donc dans une grotte. Et dans cette grotte-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit une parole lorsqu'il a vu que Abu Bakr était anxieux. Il lui a dit Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Que penses-tu donc de deux individus dont Allah est le troisième? Donc on voit ici le fadl, on voit donc le niveau qu'a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette parole à Abu Bakr. Ma dhannuka bi ithnaini Allahu thalithuhuma. Ceux qui vont être avec lui, donc ceux qui vont accompagner ces deux personnes, ou Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, bi
binusaratih, bima'iyati al-khassa, c'est-à-dire qu'il va les accompagner de par son secours et de par son accompagnement spécial, c'est-à-dire celui qui est spécial, celui qui est propre aux croyants. Donc on voit ici la place de Abu Bakr qui se retrouve donc avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dont on lui a dit cette parole. Ensuite, wa qala sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith également authentique qui est lui aussi rapporté par l'imam Al-Bukhari, également l'imam Muslim, min hadith Ibn Abbas, yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. Si j'avais pu prendre un ami intime d'entre ma communauté, j'aurais choisi Abu Bakr comme ami intime. Mais il est mon frère et mon compagnon. Donc on voit également la place d'Abu Bakr par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la place la plus élevée quant à ce hadith du prophète, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapportée également par l'imam al-Bukhari min hadith Abi Darda. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah ba'athani ilaykum faqultum kadhabt wa qala Abu Bakr saddaqt wa wasani bi nafsihi wa malihi fal antum tarikuli sahibi fahal antum tarikuli sahibi. Allah m'a envoyé à vous et vous m'avez dit, tu mens. Quant à Abu Bakr, il m'a dit, tu dis vrai. D'autant plus, il m'a consolé par sa propre personne et son argent. Allez-vous donc me laisser mon compagnon? Et bien entendu, il le répéta cela deux fois. Il le dit donc deux fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous prouver également la place d'Abu Bakr, et pour prouver donc qu'il est le meilleur des compagnons. Ensuite, pour ce qui est de Omar, donc deux hadiths qui sont plus que clairs par rapport à la place d'Abu Bakr, qui sont des hadiths marfoua, élevés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, pour ce qui est de Omar, il va nous citer également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, min hadith Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhum. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, i yabn al-Khattab, walladhi nafsi biyadi. ما لقيك شيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك إي يا ابن الخطاب والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط وابن الخطاب. Par celui qui possède mon âme dans sa main, Satan ne te rencontre alors que tu empruntes un chemin, إلا سلك فجا غير فجك, sans qu'il emprunte un autre que le tien. Lorsqu'il va voir Omar le djab, et lorsqu'il se trouve donc sur le même chemin, lui le djab, il va changer de chemin. Subhanallah. Regardez donc le fadl, regardez donc le mérite de Omar, cette personne donc qui vient comme le deuxième parmi les sahaba. Et il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui est rapporté également par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, yaqul laqad kana fima qablakum muhaddathun fa'in yakum fi ummatin ahadun fa'innahu Omar. Il y avait parmi ceux avant vous des inspirés. S'il y en avait un au sein de ma communauté, ce serait Omar. Bien sûr, muhaddathun, ceux qui sont inspirés. Et ceux donc qui vont dire la vérité et qui vont précéder donc le wahi. C'est ce qui est arrivé avec Omar par rapport au hijab, par rapport donc au voile et autre chose encore. Donc, il est considéré comme muhaddath. Et donc ici, il y avait parmi ceux d'avant vous des inspirés. Avant donc cette communauté. لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلِكُمْ مُحَدَّثُونَ. Donc, ceux qui venaient accompagner les prophètes. فَإِنْ يَكُمْ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّا عُمَرْ. S'il y avait un au sein de ma communauté, donc ce serait Omar. Et bien entendu ici, c'est également une preuve que Omar va être l'un des meilleurs des sahaba, donc le deuxième parmi les sahaba comme étant le meilleur. Pourquoi cela également? De par ce hadith. Mais une question qui pourrait se poser en étant donc muhaddath, est-ce que ce n'est pas en réalité une place qui va être meilleure que celui qui va être considéré comme Siddiq, comme Abu Bakr? Et en réalité, on va répondre, on peut répondre donc dans cette ambiguïté, à cette question-là, tout simplement car on sait que Abu Bakr, il a eu de meilleures positions par rapport à Omar à plusieurs moments, et qui a fait donc Abu Bakr, il a été meilleur que Omar, même si Omar, il était considéré comme muhaddath. Et on sait, par rapport à ce qui est arrivé fil Hudaybiyah, donc au moment où il y a eu la trêve entre le prophète et ses compagnons et les mouchrikoun,
donc Al-Hudaybiyah, donc cette trêve qui a précédé donc l'ouverture et la conquête de la Mecque. Et on sait que Omar, à ce moment-là, irtaraba, c'est-à-dire donc il n'a pas été de l'avis que l'on fasse donc cet acte-là, ou ce pacte-là avec, et cette trêve-là avec Al-Mushrikoun. Et ce qui a donc été écrit entre eux comme pacte. Et lorsqu'il a été voir Abu Bakr, lui Abu Bakr a eu, en réalité à ce moment-là, dès le premier temps où il a été en accord directement avec le prophète Hussein, et ce qu'il a dit, et ce qu'il a écrit. Donc on voit ici, à ce moment-là, qu'il a une position qui était meilleure. Également, au moment de Ridda, lorsqu'on leur a imposé de payer Az-Zaka et que les gens, donc, beaucoup d'eux se sont détournés, Abu Bakr, il a eu donc l'avis, lui, de les combattre. Et même, donc, Omar lui-même et Artarafa, c'est-à-dire qu'il a reconnu ensuite qu'Abu Bakr avait eu le meilleur avis et que c'est lui qui a donc été sur Al-Haq, qui a été donc sur la vérité à ce moment-là. Donc, ça, c'est des preuves qui nous prouvent bel et bien qu'Abu Bakr a été meilleur que Omar, même si Omar a été considéré comme Muhaddath, donc une personne qui était inspirée. Également, il va nous rappeler Hafiz al-Hakami, rahimallahu ta'ala, un fadl qui revient ici à Abu Bakr et qui revient également à Omar. Il va nous dire wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi takallum al-dhib wal-baqara fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Omar wa ma huma. Donc il va nous dire dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, même deux hadiths qui sont rapportés par l'imam al-Bukhari min hadithain, il dit à Abu Huraira qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul baynama ra'in fi ghanamihi ghada 'ali adh-dhib fa akhadha minha sha' fa talabahu ar-ra'i faltafata ilayhi adh-dhib fa qala man laha yawm as-sub' man laha yawm as-sub' ou yawm as-sab' yawm as-sab' ou yawm as-sub' يوم ليس لها راع غيري يوما ليس لها راع غيري. Dans cette histoire, qu'est-ce qu'il est advenu? Il était présent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, auprès donc d'un berger, ra'in fi ghanamihi, qui est en train donc de surveiller son troupeau. Au moment donc où il y a un loup qui est apparu, dhib, qui est apparu et qui s'est emparé d'une des brebis parmi le troupeau. فَأَخَذَ مِنْهَا شَاءَ, c'est-à-dire donc qu'il a pris un mouton parmi les troupeaux. فَطَلَبَ الرَّعِي, c'est-à-dire qu'il est parti à sa poursuite, le berger, et qu'il a réussi donc à récupérer le mouton. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ الذِّبْ, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le loup, il a regardé, et il a regardé dans la direction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a parlé. فَقَالَ مَنْ لَهَا يوم الصبع يوم ليس لها راع غيري. Donc ce terme الصبع, ou que l'on dit السبوع, il veut dire par là الذيب, le loup, il a voulu dire par là يوم القيامة ou يوم الفزع يوم الإهمال يوم الإهمال, c'est-à-dire le jour où on va tout délaisser, ou lorsqu'il va arriver le jour du jugement يوم القيامة, lorsque l'heure va se dresser, tous ceux qui seront donc dans une occupation, ils vont délaisser cette occupation, même celui qui aura donc الراعي, même celui qui est berger et qui donc s'occupe de son troupeau, il va délaisser à ce moment-là son troupeau. Donc c'est ce qu'il veut dire par là, Adib. Man laha yawm as-sub' aw as-sab'a. Yawma laysa laha ra'in ghayri. Au moment donc où il n'y aura pas d'autre berger si ce n'est que moi. C'est-à-dire que je serai libre à ce moment-là par rapport à cette brebis, ou par rapport donc à ce mouton. Donc c'est un rappel qu'il fait ici, le loup. Et donc il a bel et bien parlé, le loup, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe de cela. Min hadith Abi Huraira, qu'il a entendu Abu Huraira dire cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au moment où il a dit cette parole-là, il a dit quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit Uminu bihi, c'est-à-dire je crois en cela, je crois bel et bien en ce que j'ai entendu donc du loup, et qui bien entendu ici mu'ajiza, qui est un miracle, qui est un miracle, inam. Et combien de miracles sont apparus du temps du prophète et sont apparus pour le compte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien entendu, pour ce qui est des Al-Mu'ajiza, on a déjà parlé donc de ce qu'est Al-Mu'ajiza, lorsqu'on a parlé bien entendu de Al-Iman bi-Rusul, lorsqu'on a parlé donc de la foi dans le même livre, lorsqu'on a traité donc du chapitre de la foi aux envoyés. Al-Mu'ajiza. Et donc, le loup, lorsqu'il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle ensuite, lorsqu'il décrit ce qu'il a entendu donc de ce même loup, fa'inni uminu bi, je crois donc en cela. Wa Abu Bakr wa Omar. Et également Abu Bakr et Omar. Donc ici une preuve
comme nous le rappellent les savants, innama qala dhalika thiqatan bihima. C'est-à-dire, il a dit cela, le prophète sallam, comme nous le rappelle l'imam al-Nawawi. Il dit qala al-ulama, ils ont dit les savants, innama qala dhalika thiqatan bihima. Il a dit cela, le prophète sallam, c'est-à-dire, uminu fa inni uminu bi, je crois donc en cela. Et également, il croit en cela, Abu Bakr wa Omar. Pourquoi? Parce qu'il avait totalement confiance en eux, bihima, et en leur foi. Li'ilmihi bi sidqi imanihima. Parce qu'il avait donc la science et connaissance donc de la véracité de leur foi. Et qu'ils avaient, Omar ou Abu Bakr, la totale connaissance et la parfaite connaissance du pouvoir d'Allah et de sa parfaite qudra, c'est-à-dire capacité et pouvoir. Car Allah Azzajal est capable de faire ce qu'il veut, il est capable donc de faire parler un loup, il est capable de faire également parler une vache, comme on va le voir dans le prochain hadith. Il nous dit, وَفِهِ جَوَازُ كَرَمَاتِ الْأَوْلِيَا. Et il nous dit également, il y a à travers donc cela la permission de ce qu'on appelle karamat al-awliya, ce qu'on appelle al-karamat. On va y revenir ensuite, un chapitre qu'on abordera donc ensuite lorsqu'on terminera de ce qui est propre aux sahaba. On parlera également de ce qui est al-karamat, karamat al-awliya. Et également un autre hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, toujours min hadith Abu Huraira, qui nous dit qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait wa baynama rajulun yasuqu baqara faqad hamila 'alayha. Il a vu donc, il était en présence d'un homme qui était donc en train de conduire une vache. Et cette vache-là, il lui a fait donc porter des choses. فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَلَّمَتْهُ فَقَالَتْ. Et à ce moment-là, lorsqu'elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la vache, elle l'a regardée. Elle s'est dirigée vers lui, elle l'a regardée. Elle lui a parlé. Elle lui a dit إِنِّي لَمْ أُخْلَقْ لِهَذَا. C'est-à-dire, je n'ai pas été créé pour cela. Je n'ai pas été créé en réalité pour porter ces choses-là. وَلَكِنِّي خُلِقْتُ لِلْحَرْفِ. Mais j'ai été créé donc pour faire le chant. Et donc il a dit à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكَرْ وَعُمَرْ. Il a dit également cette parole, فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ, je crois en cela, وَأَبُو بَكَرْ وَعُمَرْ. Ce qui nous prouve également donc ici la place d'Abou Bakr et d'Omar. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de façon alania, devant tout le monde et en public, il faisait donc l'éloge de leur iman, de leur foi, à travers donc ces paroles-là. Ensuite, Hafir, rahmatullah alayh, il va nous citer, après avoir cité Omar ou Abu Bakr, il va nous citer bien entendu ce qui est en relation avec Uthman. Wa yaqul thumma wa lamma dhaba Uthman ila Mecca fi bi'ati ar-Ridwan qara Rasulullah sallam bi yadi al-yumna hadhihi yadu Uthman fa daraba biha ala yadi. Lorsque le prophète sallallahu alayhi a demandé que l'on lui prête allégeance, fi bi'ati ar-Ridwan, comme on l'a donc cité dans les cours précédents. Et on sait que Uthman radiallahu ta'ala anhu, il était envoyé par le prophète sallam pour aller à Mecca et qu'il n'était pas encore revenu de Mecca. Et qu'à ce moment-là, donc, il a fait le pacte avec tous ses compagnons. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallam à ce moment-là? Il a pris sa main droite et il a dit devant donc les compagnons, Hadi yadu Uthman, ceci donc est la main de Uthman. Fadaraba biha ala yadi. Et donc, il a tapé sur sa main droite. Tout simplement pour dire aux sahaba et pour prouver aux sahaba la position de Uthman. Et comme il l'a fait avec Omar, comme il l'a fait avec Abu Bakr également, lorsqu'il disait فَإِنِّي أُؤْمِنُ بِهِ وَأَبُو بَكَرْ وَعُمَرْ, il sait, il a fiqa, c'est-à-dire donc il a la confiance totale que Uthman, s'il était là, il aurait automatiquement prêté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit ici, à travers cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'avait Uthman. Naam. Et également il nous dit وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari, من يحفر بئر رومة فله الجنة, فله الجنة. Celui qui forera le puits de Roma, donc ce nom de puits Roma, aura le paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande parmi donc ses compagnons, celui qui forera ce puits بئر Roma, il aura donc le paradis. فحفرها عثمان رضي الله تعالى عنه. Ce qui prouve également son fadl par rapport aux autres. Et également, وقال صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة. Celui qui équipera l'armée de Al-Usra, donc une armée qui demandait à être préparée, il aura donc le paradis. Et qui c'est donc qui l'a préparé? C'est Uthman donc qui a préparé cette armée à ce moment-là. وقال صلى الله عليه وسلم في, et le prophète sallam il a dit à propos de Uthman, ألا استحي ممن استحيت منه الملائكة. N'aurais-je pas honte devant un homme devant lequel les anges ont honte? Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sa cuisse qui était découverte.
Omar est rentré, Abu Bakr est rentré. Et au moment où Othman est rentré, il a caché donc sa cuisse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit cette parole-là. Ala astahyi mimman istahyat minhu al-malaika. N'aurais-je pas honte devant un homme devant lequel les anges ont honte? Et à partir donc de cela, les savants ont dit qu'il y avait, par rapport à l'aura, une aura qui était mughallaba. Et c'est celle qui cachait donc les parties. Et une qui était plus légère, et qui est donc la cuisse. Donc, istadallu, ils ont pris comme preuve donc ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet acte du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à Omar, Abu Bakr, et ensuite par rapport à Uthman. Ensuite, pour ce qui est de Ali, wa qala sallallahu alayhi wa sallam li Ali. On sait donc qu'il y a Abu Bakr, ensuite qu'il y a Omar, ensuite qu'il y a Uthman, et qu'ensuite il y a Ali, radiallahu ta'ala anhu, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on sait que, par rapport à Ali, les gens de la Sunna, le consensus des gens de la Sunna, ont placé Ali comme étant donc le quatrième dans l'ordre des meilleurs compagnons. Le quatrième dans l'ordre donc des meilleurs compagnons. Même s'il n'y a pas une preuve directe, comme cela a été rapporté par rapport aux trois autres premiers compagnons, mais on sait que, on va nous le rappeler plus tard, Hafir, que les gens de la Sunna, ils sont tous unanimes pour placer Ali comme étant donc le quatrième sahabi, par rapport donc à ses mérites, par rapport à sa place, par rapport à tous les autres compagnons. Et le Shir va nous rapporter ici des preuves des mérites de Ali. Wa qala sallam li Ali radiyallahu anhu, anta minni wa ana mink, anta minni wa ana mink, comme fi hadha al hadith rapporté par l'imam al-Bukhari ta'liqan fi kitab al-fada'il, et d'autres savants encore, et qui est un hadith authentique. Anta minni wa ana mink, c'est-à-dire tu fais partie des miens et je fais partie des tiens, tu fais partie de moi et je fais partie de toi. Donc regardez également cette parole pour prouver le fadl, pour prouver le mérite de Ali. Également il nous dit le shir, wa akhbara sallallahu alayhi wa sallam anhu annahu yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu wa qala sallallahu alayhi wa sallam man kuntu mawlahu fa ali mawlahu. C'est-à-dire il va nous dire également le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il déclare que Ali aimait Allah et son messager, et qu'Allah et son messager l'aimaient, c'est-à-dire aimaient Ali. Et il a dit également qu'on, bien entendu, cela est authentifié et rapporté dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim muttafaqun alayh. Et également il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kunta mawlahu fa aliyun mawlahu, celui dont je suis le maître, Ali est son maître. Donc également une preuve ici qui va prouver al-fadl, le mérite de Ali, et qu'en réalité c'est par droit que les gens de la sunna l'ont placé comme étant le quatrième sahabi par rapport donc à ceux qui étaient les meilleurs. Et il dit encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam, encore d'autres hadiths qu'il va nous rapporter l'imam Hafiz rahmatullah alayhi, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa, ala tarda an takuna minni bi manzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. N'es-tu pas satisfait d'être par rapport à moi ce qu'était Haroun par rapport à Moussa, si ce n'est qu'il n'y aura plus de prophète après moi? Nous dans ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim également. Et il a dit également le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'ici il va nous rapporter le prophète sallallahu alayhi wa sallam les 10 dont on leur a fait l'annonce du paradis, et qui va donc une preuve que ces gens-là, ils font partie des meilleurs des sahaba. Après, bien entendu, les 4 qu'on a cités, Inch'Allah, on va terminer la semaine prochaine, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.